Sanigu Jagannath fin dire récemment que il y a un château en Italie que Daoud Rawat propriétaire. Les fin dire qui soi-disant Daoud Rawat fin servi l'argent ban dépositaire dans Super Cash Gold dans British American Insurance et il servi ça l'argent là pour acheter un château dans l'Italie. Moyennant la titre de propriété sa château en Italie là. Ce document est un acte notarié de Rome qui démontre que effectivement Ena a une place en un château en Italie qui fin acheté par une compagnie qui appelle Quadrant Italia. Quadrant Italia PLC. Et sa compagnie-là, clairement, fin acheté sa château-là en 2006. Et à l'époque, Quadrant Italia, le propriétaire de Quadrant Italia, c'est Global Capital PLC. Une compagnie qui appelle Global Capital PLC. À l'époque, Global Capital, ce management n'avait rien à voir avec la BAI, Mauritius Limited. À l'époque, quand Quadrant et Global Capital vint propriétaire de sa château-là en Italie en 2006, la BAI n'avait rien à voir avec sa décompagnie-là. Monsieur Daoud Rawat est d'accord volontairement pour présenter devant un juge en France par le procédé qui nous appelle commission rogatoire pour qui tout bonne question qui ban autorité Maurice capable et n'a pour poser lui avouer ça par la commission rogatoire aux autorités françaises pour qui là-bas les pour aller personnellement devant sa juge là et pour répondre toutes questions que les autorités mauriciennes ena en ce qui concerne Iframac et Coats qui concerne presque plus que 2200 et quelques employés à vendredi l'argent était déjà là pour le les paiements des salaires mais voilà il y a eu une demande de la part de l'État pour freeze les comptes bancaires et cela a posé problème en ce qui concerne le paiement des salaires et il y a eu beaucoup d'interventions au courant du week-end avec Dieu sait maintenant le conservateur, l'administrateur, le receiver, pour que les employés puissent être payés. Mais le groupe avait déjà l'argent ready pour le paiement à partir de jeudi de la semaine dernière.